engage pour la biodiversité. C'est le cas de Sandro, artiste graffeuse, peintre animalière. Elle réalise des fresques géantes sur la faune marine et publie un livre à l'occasion du congrès sur la biodiversité. Mélanie Frey et Alban Poitevin l'ont rencontré. Regardez. Une plongée dans l'atelier de Sandro, c'est descendre dans les grandes profondeurs et apprendre à pousser les murs. Son amour de la faune marine est sans limite, du coup l'artiste privilégie les grands formats. Voilà, le requin pèlerin, il est là. Donc il fait à peu près 12 mètres de long et il pèse environ 4 à 5 tonnes. Oui, la peintre voit grand. Et ce n'est pas un rorqual de 26 mètres qui va l'effrayer. Celui-ci est né de son imaginaire et du bout de ses pinceaux. Le mammifère a pris corps sur le mur d'un hangar à hélicoptère. Une fresque géante réalisée à La Rochelle. Sandro peint le portrait de ces espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une faune en danger, et cela se ressent à travers sa toile. Il y a de la fragilité, il y a aussi parfois un tout petit peu de tristesse. Le cachalot particulièrement, il est un peu recroquevillé comme ça, et puis il a son petit œil qui nous regarde, et on a envie de se dire, mais oh, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Puis il y a la baleine aussi, la baleine à bosse, qui, elle, je trouve, elle transmet aussi notre émotion, elle est très majestueuse, elle est dans le mouvement, donc comme si elle planait. La peintre a parcouru les refuges et les parcs naturels pour observer cette faune sauvage. D'études photographiques en croquis avant de se lancer dans la peinture. La jeune femme a mis tout son talent au service d'une faune fragile, bien décidée à la défendre de toutes ses forces. 4, 3, 2, 1, oui!